Bonjour à toutes et bien re, bienvenue sur cette euh, début d'après-midi de, de la première édition du salon luxembourgeois. On est ravi de vous retrouver euh, pour cette série de workshops live, euh, donc euh, animés par nos partenaires, qu'on remercie infiniment d'être présents sur euh, cette version 100% online au Luxembourg. Euh, vous avez été très très nombreux, euh, nombreuses à nous suivre ce matin. Et on vous remercie. Merci également de, de vos interactions sur le site, qui sont nombreux également. Nos partenaires sont ravis et j'espère que vraiment vous, puissiez, vous allez pouvoir au cours de ces deux jours trouver des réponses, des idées, des pistes de, des pistes de réflexion pour déclencher euh, ben voilà, un changement dans votre vie professionnelle. En tout cas, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça que tous les acteurs économiques de Luxembourg dédiés à la reconversion sont avec nous. Et nous allons tout de suite accueillir euh, pour les plus grandes, les plus entrepreneuses d'entre nous qui sont, qui, euh, qui sont intéressées par un projet de création d'entreprise. Nous avons avec nous aujourd'hui Émilie Besson qui va nous parler euh, de la fabrique du nom et donc qui va nous parler euh, de la, de, 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 de des démarches à suivre pour trouver un nom juste et adapté euh, à son projet. Bonjour Émilie d'être avec nous euh, pour cette première édition luxembourgeoise. Euh, voilà, bah donc euh, tu vas nous parler de, de, ce que, de, de ton activité, la fabrique du nom, de ce que tu peux proposer aux entrepreneuses euh, qui sont dans notre audience et qui nous écoutent. Alors pour celles qui nous écoutent, n'hésitez pas euh, à poser toutes les questions que vous souhaitez dans les commentaires euh, que je relayerai auprès d'Emilie euh, pendant ou à l'issue de son workshop. Euh, n'hésitez pas non plus à aller euh, consulter euh, le, le descriptif de, de ce que propose Émilie dans, dans, sur le site, hein, le hall d'exposition. Voilà, n'hésitez pas à interagir, à taguer les personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées euh, à suivre ce workshop avec nous aujourd'hui ou tout simplement intéressées par l'événement online que nous proposons ces deux jours au Luxembourg. Voilà, Émilie, bah, écoute, je te laisse la parole et je te dis à tout à l'heure. En créant la fabrique du nom il y a un peu moins de deux ans, c'était… Exactement les mêmes missions que j'avais envie de faire, mais auprès des entrepreneurs, parce que j'aime l'innovation, j'aime les idées, les projets, et c'est ça qui me motive essentiellement, c'est les projets des personnes qui se lancent. Donc c'est pour ça que j'avais envie de travailler auprès des entrepreneurs, proposer la même chose exactement, mais avec l'identité de marque cette fois-ci pour les entrepreneurs et les entrepreneuses. Voilà. Alors, concrètement, incarnez votre marque avec un nom. Ça consiste en quoi Alors, n'oubliez pas hein, pendant tout le temps où je parle. Posez vos questions dans le chat, surtout c'est important. Et si vous ne enfin, comprenez pas quelque chose que j'aborde, n'hésitez pas à poser la question. Il n'y a pas de questions stupides. On est vraiment là pour vous aider aujourd'hui et vous aider à éclaircir votre projet, d'accord C'est vraiment votre projet qui est important. Parce qu'on on sait que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose bah, qui, est, qui, est, qui est exceptionnel. C'est vraiment, il faut le prendre comme une aventure. Mais il y a aussi dans cette aventure, comme dans n'importe quel voyage, il y a des des obstacles. Et donc, plus vous pourrez poser de questions, demander de l'aide, plus ce sera fluide pour vous, limpide pour vous, et ça ira mieux pour vous. D'accord Donc, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc, le problème, des, je viens de l'aborder brièvement, les problématiques des entrepreneurs quand ils créent une entreprise, les entrepreneuses, c'est effectivement de, finalement, d'avoir confiance en soi, de pouvoir parler de ses produits, de ses services facilement. Ben, sans, euh, sans être trop technique, sans être dans, vraiment dans, le, dans, dans la vente, hein, et en parlant de vous tout simplement, en parlant de qui vous êtes. Et ça, c'est un gros problème parce qu'on est un, tellement euh, pris dans son projet, dans son business plan, dans, dans tout ce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne pense qu'à son produit, à son service. C'est normal, hein, ça, ça, ça fait ça à tout le monde, dans n'importe quel métier. Hein, que vous soyez dans un métier technique, enfin, vous représentiez un, une profession technique ou pas. Vous avez forcément une spécificité et donc une technique qui vous est particulière. Et donc, on oublie un petit peu que qu'il bah, faut s'extraire de ça parce qu'on a tellement envie que ce soit parfait et qu'on qu n'ait rien oublié, qu'on oublie bah, d'être soi-même finalement. D'accord Donc, c'est un petit peu ça qu'on va aborder à travers incarner votre marque avec un nom. Donc, cette problématique-là, effectivement, c'est avoir confiance en soi et surtout de l'image que l'on va donner avec son entreprise, son service, ses produits. Et quels sont les problèmes aussi des entrepreneurs, en fait, quand on lance une entreprise est-ce que vous avez une idée de quels sont les premiers obstacles qu'on peut rencontrer au-delà d'avoir de confiance en soi pour communiquer Je ne sais pas s'il y a des questions. On va les reprendre au fur et à mesure, hein, à la fin, si on ne les a pas maintenant. Mais il y a un autre problème pour un entrepreneur, une entrepreneuse, c'est d'être visible. Qu'est-ce que ça veut dire visible C'est-à-dire d'être vu sur les moteurs de recherche et puis bah, d'être vu auprès de vos concurrents, d'être vraiment différent de vos concurrents. Et d'avoir. Et surtout d'exister parfois pour certaines d'entre vous dans une nouvelle activité. Quand on est dans une reconversion professionnelle, souvent, on part sur quelque chose de complètement différent, d'accord Donc, on va avoir une nouvelle identité. On ne peut pas forcément utiliser ces, nouveaux, ces, anciens, ces anciens réseaux parce qu'on était dans une autre activité, d'accord Donc, il est important d'être visible. Et pour ça, il faut avoir un nom. Pour être visible, parce que son ancien nom, son nom euh, civil, n'est pas forcément opportun pour ce genre d'activité. D'accord Donc, il faut avoir un nom qui soit disponible. Parce que si on choisit un nom euh, qui est euh, qu'on a créé soi-même et qu'on n'a pas fait des recherches poussées pour pouvoir vérifier s'il y avait d'autres personnes qui l'avaient en tant que nom d'entreprise ou nom de marque, on est dans un processus qu'on appelle de contrefaçon. Donc, vous savez que c'est interdit la contrefaçon, même si vous ne l'avez pas fait exprès, vous l'avez fait de manière inconsciente. Ça peut vous jouer des tours et ça peut vraiment ruiner la réputation d'une entreprise et puis vous ennuyer financièrement et au niveau du stress aussi, alors que vous aurez bien d'autres choses à gérer après, d'accord Donc, c'est tous ces obstacles-là qui peuvent vous embêter et, bien, et puis vous donner un mauvais démarrage, d'accord Ce sont des, des étapes très, très importantes. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre cette étape-là de la création de nom, de manière légère, d'accord Parce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut travailler de manière posée et prendre le temps. Parce que souvent, eh bien, on a envie de faire son logo, on a envie de faire son site internet, on a envie de se lancer parce qu'on a déjà des clients. Pour certaines, hein, on a déjà des clients, vous avez déjà des clientes qui vous ont contacté et vous dites bah non, je ne peux pas attendre, il faut que j'aille vite, il faut que je trouve un nom vite fait. Eh bien non, plus vous allez vite, dans, tout ce que, dans toutes les étapes de votre entreprise, plus vous, vous avez des risques de prendre des risques. <laughs> voilà, exactement. D'accord Donc, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est finalement euh, ben, de, de créer un nom de marque incarné Pourquoi je parle de l'incarnation Pourquoi je parle d'incarner votre marque Parce qu'en fait. Je dirais depuis le confinement, évidemment, le premier confinement, depuis la pandémie, peut-être même un petit peu avant, hein, les entreprises qui sont de plus en plus créées, elles ont des envies d'engagement de, social, des envies de développement personnel. Elles ont des envies, vous voyez, des choses qui, sont, qui ont vraiment du sens. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se créent, parce que quand on est dans la reconversion, on a envie d'avoir une activité qui ait du sens. Donc ça, c'est formidable. Hein. Vous n'allez pas perdre votre temps, ça, c'est génial. Mais le, le risque que l'on peut avoir, c'est que quand on est très investi dans une activité comme ça, c'est qu'on peut chercher un nom de marque, un nom d'entreprise, bah, qui ne va pas toujours être compris en face. Donc, qui est en face de vous Ce sont les partenaires, les collaborateurs et les clients, d'accord Ça, il ne faut jamais, jamais le perdre de vue. Et dans ce nom de marque, en fait, qu'est-ce que vous transmettez Vous transmettez votre message, le service, la réponse que vous allez apporter à votre clientèle, d'accord Donc, quand on est très engagé bah, dans ces valeurs, dans, dans, dans ce... Dé dans le développement personnel ou dans l'engagement écologique et tout ça, on peut avoir un nom qui est très imprégné et qui finalement peut faire peur, alors que ce n'était pas du tout ça au départ ce que vous vouliez faire. Vous vouliez faire quelque chose qui avait du sens pour vous. Et donc c'est normal de vouloir créer quelque chose avec du sens. Et là ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de voir ces petites nuances qui font que ça peut peut-être vous nuire et vous allez passer plus de temps et vous allez revenir sur votre marque parce que vous allez vous rendre compte que ben, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes finalement ou vous n'allez peut-être pas attirer assez de personnes. Donc, c'est important de vraiment réfléchir à ces différents pans. D'accord Donc, c'est ça que l'on va voir. Et finalement, eh bien, qu'est-ce que c'est On va revenir sur la racine du mot incarner. Qu'est-ce que c'est incarner Tout simplement, c'est donner du corps à un esprit. D'accord Ou alors, on prend le problème dans le sens inverse. C'est mettre de l'âme à un objet, à une personne. Et donc, là, l'objet ou la personne que vous créez, que vous allez mettre en valeur, c'est votre entreprise. Donc, vous allez mettre de l'âme à votre entreprise. D'accord Et ça, c'est quelque chose de passionnant, effectivement. Donc, vous allez vous représenter vous-même à travers une idée abstraite, d'accord À travers votre service ou votre produit. Et vous savez que le mot « incarné c'est un mot qu'on qu a à l'origine dans les religions. On incarne un animal, c'est un esprit qui va habiter une personne ou un animal. D'accord Eh bien, vous reprenez tout simplement ça inconsciemment, vous reprenez ça avec « comment ». Comment on va voir ça Justement, d'accord Alors, pour incarner votre marque, déjà pour créer un nom de marque, hein, il y a une première chose. Vous allez parler de votre histoire, de votre identité. Vous allez parler et en fait, vous allez à la rencontre de vos forces, de tout ce qui parle de vous, d'accord, au plus profond de vous. Vous allez avoir l'identité de votre personne. Ça, vous l'avez compris, c'est ça qu'il faut arriver à déterminer. La deuxième étape, vous allez parler de la différence que vous apportez sur le marché du, de la concurrence, de votre vision, de vos valeurs que vous allez matérialiser à travers vos produits et vos services, d'accord. Ça, tout ça, c'est important. Et c'est ça que vous allez pouvoir relever, que vous allez pouvoir mettre en valeur. Et vous allez choisir des mots qui vont représenter toutes ces valeurs. D'accord Donc, comment on fait concrètement une fois qu'on a pris des mots-clés par rapport à nos valeurs, notre personnalité, nos différences, notre vision Comment on fait pour matérialiser tout ça donc souvent les entrepreneurs qui sont dans des développements, dans le développement personnel ou dans l'écologie vont choisir des noms qui sont très concrets. Et c'est quoi le problème de choisir des mots très concrets liés au développement personnel ou à l'écologie ou à l'environnement ou aux engagements sociétaux Alors quand je parle des engagements sociétaux, ça peut être l'économie sociale et solidaire. Hein. Vous avez plein d'activités qui se créent par rapport à ça. Quels sont les dangers en fait C'est qu'il faut toujours, toujours se représenter que le nom, vous le faites pas que pour vous, vous le faites pour la clientèle. Et il faut que ce nom Troisième chose, il doit être disponible. Je sais, je suis embêtante, il y a trois choses à retenir. Il faut qu'il soit disponible. Et finalement, c'est peut-être le dernier, le plus important, il faut qu'il soit disponible au niveau de l'administration. Alors, pour le Luxembourg, ça va être le BOIP, d'accord Donc, le BO, tout ce qui concerne le droit de la marque au Benelux. En France, ça va être l'INPI. Et donc, par rapport à ces administrations, il faut que votre nom soit disponible. Donc, vous allez faire une recherche, tout simplement, au niveau des, de leurs moteurs de recherche qu'ils proposent ils sont gratuits. Et vous allez voir en fonction. Il faut aller voir au niveau des entreprises. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, il y a des critères. Dans ce... Je vais être un petit peu technique, un tout petit peu, mais vraiment rapidement. C'est-à-dire qu'il y a des critères. Ça veut dire que si vous prenez un nom de marque qui parle de votre, par exemple, vous faites une activité dans le yoga. Je vous prends un exemple. Vous faites dans le yoga, vous avez envie de quelque chose autour du yogi. Ça ressemble au yoga, hein, d'accord Eh bien, si vous prenez le terme yoga, c'est un terme qui appartient au langage de tout le monde. On est d'accord donc le terme yoga, si vous voulez l'utiliser, vous ne pouvez pas, parce que vous ne pouvez pas devenir propriétaire de ce mot. C'est le vocabulaire de tout le monde, tout simplement. Donc si vous voulez incarner votre marque en disant, ben voilà, je fais une activité dans le yoga et mon activité, je vais l'appeler yogi ou yoga ou ce que vous voulez, ce terme-là, vous ne pouvez pas l'utiliser, tout simplement. D'accord C'est pour ça que c'est difficile en fait de vouloir avoir une activité qui décrive exactement vos valeurs au mot près. C'est pas possible, tout simplement. Donc il va falloir construire un nom autour de ce mot-là qui est votre valeur-force, d'accord Il va falloir construire des mots, donc ça va devenir un concept. Et donc votre nom de marque, il va refléter vos valeurs, le message que vous adressez à la clientèle et un concept. C'est ça qu'il va falloir travailler. Il faut que ces trois-là soient bien liés ensemble. Et au delà de tout ça, il faut que ces trois mots-là aient une belle sonorité. Il faut qu'ils soient beaux à voir sur un nom quand il est écrit. Il ne faut pas qu'on se trompe d'orthographe, d'accord Donc il va falloir vérifier tout ça. Donc incarner une marque, c'est pas Seulement l'esprit, hein, d'accord Ce n'est pas seulement vos valeurs. Il y a tout un tas d'aspects techniques derrière qu'il faut mettre en valeur. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions en attendant. Tout au... Je continue parce que je ne sais pas s'il y a des questions. Dis-moi. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Y a... ah, y a déjà... Je n'ai pas de micro, je t'entends pas du tout. Mmh. Enfin, non, j'ai mon micro, mais ton micro n'est pas allumé, visiblement, je vois. Professionnel avec le micro éteint. Alors, est-ce que tu m'entends là Ah, ça y est, je t'entends. Voilà. Fait. Non, je disais que. Oui, qu'il n'y avait pas de questions pour l'instant, mais Emilie, euh, continue, merci. Donc, mais je continue. Alors, je vais donner des exemples, effectivement, sur que, des exemples de noms de marques, à l'inverse, qui peuvent être. Euh, qui veulent être très incarnés. Par exemple, des, des entreprises qui sont très techniques. Par exemple, on va prendre une entreprise, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais Ubica, c'est une entreprise euh, qui propose euh, l'hébergement Internet pour. Euh, pour pouvoir faire vous-même euh, vos vidéos quand vous êtes enseignant ou une entreprise, hein. vous avez besoin de faire des formations, donc vous voulez euh, créer des vidéos toutes faites avec des serveurs spécifiques de chez Ubicas. Eux, ils ont inventé un mot. Ils ont voulu, en fait, euh, un mot qui soit qui parle vraiment de leur, de leur marque, hein, mais qui montre qu'en même temps, c'est quelque chose. Alors voilà, ils ont un mot qui s'appelle on Oniris. Euh, ils voulaient utiliser Oniris, ensuite Iris, et ce n'était pas possible, ces mots-là. D'accord Et ensuite, ils ont créé une Miris. Vous voyez, c'est un mot qui est construit avec Iris et Miris. Là, c'est vraiment, on, on comprend leur valeur hein, au-delà de la technique. Donc, c'était assez judicieux parce qu'ils auraient pu choisir un nom beaucoup plus technique et finalement, on ne voyait pas leur marque, on ne voyait pas leur valeur. Je vous donne un autre exemple qui est beaucoup plus connu pour tout le monde hein, dans un autre domaine. Hein, euh, dans tout ce qui est le domaine du sport, vous connaissez Reebok. D'accord Reebok, hein, les chaussures dans le sport. Cette marque-là, elle incarne vraiment ses valeurs. Pourquoi Parce que ce mot-là, à l'origine, c'est un mot africain qui veut dire antilope. Vous voyez En fait, c'est l'animal qui incarne le produit. Bon, vous ne voyez pas d'antilope dessinée sur les baskets, hein, évidemment, hein, ou sur les produits de, 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 de vêtements de sport. Vous voyez simplement le logo qui ressemble à quelque chose qui va vite. Donc, l'antilope, c'est un animal qui va vite. Et. L'antilope, c'est vraiment un animal qui exprime la vitesse, la performance, euh, qui est aux aguets de tout et qui est rapide, qui est dynamique. Donc, vous voyez, dans ce produit-là, on a incarné avec un animal. Donc, c'est possible, il n'y a pas besoin d'avoir un nom qui soit spirituel, qui soit euh, très engagé euh, d'un point de vue étymologique euh, sur vos valeurs. Vous pouvez simplement prendre un symbole, un symbole qui représente autre chose que ce que vous voulez dire, mais qui va représenter votre état d'esprit, votre culture d'entreprise. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire, cette gymnastique. Il faut basculer pour que votre nom soit plus accessible aux gens. Et puis, vous allez pouvoir construire une histoire autour. Alors que si vous donnez le mot yogi, il n'y a pas d'histoire à construire, on voit tout de suite ce que c'est. Donc, c'est d'emblée évident. Donc, il n'y a pas d'effort, ne fait pas d'effort mental pour comprendre. Vous voyez Donc, c'est ça aussi dans un nom de marque. Il faut qu'au-delà d'incarner votre marque, il faut que ce nom-là, il puisse, on, on puisse accrocher, on puisse dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ce nom-là il faut que la personne qui soit en face, le client, en trois secondes, il, puisse, il ait envie de faire un effort. Bon, pas, pas trop longtemps, hein, l'effort, hein, parce que sinon, il décroche. Il Mais un tout petit effort de trois secondes, et il va retenir votre nom. Et il va aller chercher plus loin ce que veut dire votre marque. C'est ça, en fait, qui est important. D'accord euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre Donc, en fait, c'est ça. Hein. Euh, ce qui est important dans ce nom de marque, hein, c'est ce que je propose, moi, dans la fabrique du nom, c'est de pouvoir vous accompagner sur toutes ces étapes de votre identité, votre identité personnelle, votre identité euh, d'entreprise. Hein. Et de faire, un, de faire vraiment la carte d'identité, le contenu de votre marque, avec tous les mots qui sont importants pour vous. Parce qu'on ne retient pas que les émotions. Il n'y a pas que les émotions qui passent à travers le nom de marque. Vous avez bien compris, il y, y a plein d'autres choses. Ah, on a un petit problème de micro, non Ça va Ah non, non, non. D'accord, j'avais l'impression d'entendre ma voix en écho. Donc voilà, par rapport à tout ça, et ce qu'il faut comprendre, en fait, dans le, dans le nom de marque, effectivement, c'est que vous allez vraiment. Si, si vous devez retenir une chose, c'est que vous devez vraiment aller au-delà de votre mission. Ne décrivez pas votre activité. Allez, vous avez créé une entreprise, vous êtes dans la reconversion professionnelle, donc ça veut dire que vous avez envie de contribuer. Donc ce sont ces valeurs-là qu'il va falloir mettre au-devant de la scène, d'accord Aller au-delà de la description de votre activité. C'est vraiment un effort, ça demande du temps, ça je le comprends, ça demande du temps, et vous n'avez pas forcément ce temps-là, mais il faut... Vaut mieux laisser tomber les choses quelque part, vous dire, ben voilà, je prends une semaine de vacances, je fais un, une pause et vous revenez parce que le, le cerveau, il est en saturation mentale. Donc, si vous, plus vous essayez de penser à, à votre nom de marque, plus vous allez bloquer parce que vous avez plein d'autres choses à penser dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est pour ça aussi que c'est important parfois de faire appel à d'autres personnes qui peuvent. S'occuper que de ça, c'est leur métier, c'est mon métier de m'occuper que de ça toute la journée parce que j'ai l'habitude de réfléchir sur les mots. Et moi, je n'ai pas d'autre chose à faire. À part mon entreprise, je n'ai pas d'autre chose à faire. Je n'ai pas votre entreprise à gérer. Vous voyez Donc, c'est important de partir sur des bonnes bases et de se dire, ben, au moins, je parle là-dessus. Pourquoi Parce qu'en fait, derrière, tout va découler. Vous avez le nom de marque, derrière, vous avez le logo. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez le site internet. Mais en plus de ça, c'est que ces mots, vous aurez travaillé pour, à travers votre marque, vous allez les utiliser pour travailler votre communication pour le pitch, tout simplement, quand vous allez rencontrer vos partenaires, rencontrer vos clients. Vous n'allez pas réfléchir à ce que vous allez dire, vous n'allez pas dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire comme mot, qu'est-ce que je vais dire comme mot qui va être compréhensible par l'autre, qu'est-ce que je vais dire comme mot qui soit vendable. Non, vous n'allez même plus vous poser la question, parce qu'on aura travaillé, vous aurez travaillé sur tout ce qui fait vous et vous seulement. Vous allez travailler sur votre différence. D'accord Donc, ce nom-là, il va vous servir donc, pour communiquer sur, euh, comme je l'ai dit, sur tous les supports, mais il va vous servir également à finalement à établir vos prix, puisque vous aurez réfléchi à votre positionnement. Vous allez choisir les bons mots qui vont correspondre à un type de clientèle. Et vous n'allez pas chercher votre clientèle finalement. Votre clientèle va se retrouver à travers votre nom. D'accord Alors que si vous choisissez un nom de marque effectivement très imprégné de votre univers, ça va se réduire à un style de personne. Et ce ne sera peut-être pas les bonnes personnes justement. D'accord Parce que vous allez partir sur un, une émotion particulière. Et c'est dommage parce que vous allez restreindre votre activité à une émotion qui sera peut-être pas la bonne. Donc on travaille vraiment beaucoup sur l'image que représente votre nom de marque. D'accord? Bon, ben je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que de ce que c'était vraiment incarner une marque. Donc faites vraiment attention. Euh, quand vous voulez incarner une marque, c'est vraiment aller au-delà de votre du nom de l'activité de l'entreprise, aller au-delà de vos valeurs et d'avoir quelque chose qui soit vraiment harmonieux. C'est à ça qu'il faut penser, un nom qui soit harmonieux, qui puisse être compris de l'extérieur et pas que par vous-même et, et vos amis ou votre famille. C'est important ça, de voir au-delà de votre sphère euh, personnelle. D'accord Et euh, donc voilà, si, le, le deuxième mot, c'est profiter du salon professionnel. Pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, pour pouvoir vous aider dans les domaines où justement vous, vous avez des difficultés, parce qu'on peut, ne on peut pas être bon partout, on ne peut pas être partout, ce n'est pas possible. D'accord Donc, justement, quand vous travaillez sur votre identité, vous travaillez sur vos forces. Eh bien, focalisez sur vos forces et allez sur vos forces et laissez les autres vous aider. Il y a toujours une possibilité de trouver quelqu'un pour vous aider. Voilà. Merci Emilie. Alors on a, on a euh, une question. Puis bah, si j'avais une, une question de mon côté, mais j'attendrai de la poser. Là il y a, il y a donc Jessica qui, se, qui pose une question euh, à, à propos de pardon un petit, euh, un petit, euh, petit. Un petit message <laughs> qui est arrivé qui en fait euh, donc, demande pour le dépôt d'une marque sur BO, BOIP. On peut déposer sur le Benelux mais aussi sur l'Europe. Mais pour donc euh, sa question en fait. Pour, pour déposer sur l'Europe, me vaut-il passer par euh, l'INPI pour la France ou on peut directement passer euh, euh, par BOIP Alors, en fait, si on est luxembourgeois ou si on est dans les pays du Benelux hein, et qu'on réside dans ces pays-là, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'on dépose son nom de marque dans son pays d'origine d'abord. Et ensuite, on fait une demande pour l'Europe. Mais on ne peut pas déposer à l'INPI en France si on est en fait euh, au Luxembourg ou en Belgique ou d'autres pays du Benelux. D'accord Ça, c'est vraiment important. C'est votre lieu de résidence d'abord. Mais tout simplement, appelez-les. Ce sont des numéros qui sont accessibles. Appelez-les, ils vont vous dire les démarches. Mais pensez d'abord à votre lieu de résidence et ensuite, vous allez faire référencer sur les un pays d'Europe ou l'Europe en entier. D'accord donc, je pense que c'est vraiment, c'est pareil pour les Français. Quand on est français, on dépose d'abord à l'INPI et ensuite on fait la démarche pour d'autres pays. D'accord. Bon, je pense que c'est clair et que ça encourage les personnes aussi à prendre contact directement avec les organismes. Oui, ce sont des personnes très accessibles. Oui, tout à fait. Et donc, pour avoir connu un peu cette démarche-là aussi, combien de... de voilà, l'accompagnement dans la recherche d'un nom, ça se matérialise, comment j'imagine, ça dépend du projet aussi, mais la, la démarche que tu proposes, par exemple, c'est combien de temps ouais, il vie. faut s'y prendre, à quel moment dans la création, est-ce qu'il faut d'abord avancer sur d'autres étapes Alors, quel moment de la création, en fait, il n'y a pas vraiment de moment. L'idéal, c'est dès le début, d'accord, mais on n'y pense jamais dès le début, <laughs> parce qu'on attend que tout soit fin finalisé pour se dire, bon, maintenant, je vais chercher mon nom de marque. Donc, peu importe, en fait, moi, c'est vrai que je travaille avec les entrepreneurs à n'importe quel moment. Euh, c'est mieux de le faire avant le logo et le site Internet, c'est sûr, parce que bah, c'est beaucoup de démarches et beaucoup d'argent investi euh, pour quelque chose qu'on va refaire ensuite. Mais quand bien même, ça arrive après, moi, j'accompagne euh, des entrepreneurs qui arrivent même... Quand ils ont déjà créé leur site internet et leur logo, euh, on arrive toujours à refaire les choses euh, intelligemment pour que tout s'enchaîne se, tout se, tout correctement. Hein. Mais l'idéal, c'est quand même de le faire avant de, de, de démarrer son activité, c'est mieux. Et puis bah, après, si on le fait une fois que l'activité démarrait depuis un an ou deux ans, c'est pas grave hein, euh, parce que bah, c'est toujours temps de peaufiner son identité et on peut annoncer, justement, c'est l'occasion d'annoncer une nouvelle identité et donc d'avoir une nouvelle visibilité. Donc c'est toujours possible. Alors après, pour plus précisément à ta question comment ça se passe en fait pour créer un nom euh, c'est pas un logiciel internet ou un logiciel informatique où on rentre des données euh, et puis on va avoir un nom et on va choisir 40 ou 400 noms c'est pas comme ça que ça se passe donc il faut quand même prendre le temps de réfléchir parce qu'il y a des étapes précises où il faut travailler dessus sur l'identité l'identité c'est un processus qui est lent donc il faut avoir le temps de réfléchir donc en général je donne un mois et demi de travail dessus c'est à dire qu'on a une séance par semaine à raison de six séances et chaque séance correspond à une étape. La première étape, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'identité personnelle de l'entrepreneur. Donc on travaille vraiment sur en fait son histoire de vie d'entrepreneur, comment il en est arrivé là, parce que c'est important de savoir pourquoi il en est arrivé là. On travaille sur ses forces, donc ses talents, sur ses qualités. Sur ses valeurs. Qu'est-ce qui fait qu'il a envie de faire ça tous les matins et de se lever, de travailler au début 24h sur 24 C'est important de savoir hein, bah de toutes ces informations-là. Donc, ça, c'est la première étape, c'est ce que j'appelle l'identité personnelle. Et on va extraire. Tous les mots-clés importants de cette identité personnelle qui vont être communicables pour, pour, la, pour les clients en face. La deuxième étape qui se fait la semaine suivante parce qu'il faut laisser le temps de maturer. Euh, on est sur ce qu'on appelle l'identité propre de l'entreprise, donc l'identité de marque de l'entreprise. On travaille sur euh, exactement sur la mission, en quoi elle comporte. Donc bien sûr. Les entrepreneurs ont travaillé sur cette partie-là en long, en large et en travers à travers le business plan. Mais c'est important de revenir dessus, sur la vision, sur la mission, parce qu'en fait, quand on est à fond dans son projet, il y a des angles morts qu'on ne voit pas. Et moi, je suis justement cette personne qui est à l'extérieur, qui voit ces angles morts, et ces mots-clés-là, on les trouve dans ces angles morts, c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas. Et ça, c'est important d'avoir une analyse un petit peu de côté de ce qui se passe de votre entreprise, et de pouvoir anticiper ce qui va se passer dans votre entreprise aujourd'hui, dans cinq ans et dans dix ans. Par exemple, les entrepreneurs que j'ai accompagnés en janvier de l'année dernière... Euh, ils n'ont pas eu la même vision six mois après, après le Covid, par exemple. Vous voyez, après la première, le premier confinement. Donc c'est des choses à anticiper aussi dans votre, enfin, dans le secteur d'activité. Il faut imaginer la clientèle comment elle peut évoluer en fonction des, bah, des intempéries, on va dire, hein, de, de la vie qui peut arriver d'un entrepreneur, qui concerne tout le monde du coup. Donc on travaille sur cette période-là. Et donc une fois qu'on a fait ces deux identités, donc personnelle et l'identité de marque, on arrive sur un un contenu de mots-clés qui va être le contenu de marque. Et ce contenu, il va servir pour communiquer ensuite. Mais moi, il me sert à la base pour travailler sur l'orientation que je vais donner pour un nom. C'est ça. En fait, on va extraire quatre grandes orientations qui vont pouvoir m'aider à me dire bah, dans quelle direction on va travailler. Donc, on va avoir un cahier des charges qui va nous permettre de dire on va travailler dans tel et tel sens. On va travailler sur ces valeurs-là. On va travailler sur ce domaine d'activité. On va travailler sur, sur la phonétique. On va travailler sur plutôt telle ambiance de pays, parce que je suis plus accrochée à ce pays-là et j'ai envie d'avoir un univers qui représente ça. Donc on va travailler sur plein de choses. Donc la troisième partie, ça va être la partie créative pour moi qui va durer 15 jours et je vais faire des recherches, je vais faire des agencements de mots. Et au bout de ces 15 jours, je vais proposer à l'entrepreneur, euh, parmi tous les mots que j'aurais sélectionnés, que j'aurais vérifié s'ils sont bien disponibles, donc je peux en avoir une trentaine, mais je vais en garder une dizaine, qui vont être disponibles à l'heure où je vais leur donner, les délivrer. Et en fonction de ces mots-là, je vais leur présenter, parce que quand on a dix mots, ça ne veut pas dire que c'est facile à choisir. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Donc, je continue de les accompagner pour choisir ces mots en fonction du cahier des charges qu'on s'est donné juste avant. D'accord Et une fois que ces mots ont été choisis, eh bien après, il va falloir euh, bah, délivrer ce qu'on appelle la charte du nom, c'est-à-dire c'est un document qui permet de pouvoir justement se présenter sur les réseaux sociaux, sur le site de internet, de pouvoir remplir son profil biographique, de pouvoir remplir sa fiche mission sur son site internet, et puis de tout simplement communiquer euh, ben, quand on rencontre son client et de quoi dire facilement en une minute trente sans bredouiller et en ayant un, un langage clair en fait, sans, sans, sans que ce soit technique, sans que ce soit compliqué et que ce soit vraiment bien interprété en face. Émilie Donc ça dure un mois et demi mais je, je suis obligée de raccourcir un petit peu parce qu'il oui, y a sûr. encore des questions et le temps passe et on a le workshop d'après qui ah. arrive aussi il euh... bah, y aura le click and meet et là je serai Exactement. disponible pour pouvoir répondre je... à toutes les questions que les personnes veulent voilà. poser a... rapidement c'est vrai qu'il y a une question sur l'accompagnement, sur le logo ça c'est la charte graphique je pense que euh, ton champ de compétences ne va pas jusque là. Euh, non, mais je travaille avec des, avec des, avec des graphistes et je, je dépose ce dossier. D'accord. Et pareil sur le dépôt de la marque en tant que tel. Donc, est-ce que tu proposes un accompagnement euh, pour aller donc euh, au niveau de dépôt de la marque directement? Alors, moi, je dépose pas les dossiers. Je conseille simplement euh, parce que je propose des noms qui sont disponibles. Donc, moi, j'ai vérifié les catégories d'activités où c'était ouais. disponible. J'ai fait une recherche d'intériorité. Par contre, quand je délivre le nom, c'est à l'entrepreneur de bien déposer son nom de marque le plus rapidement possible et de ne pas communiquer tant que c'est pas déposé et officiel. Bien sûr. Mais non, parce que le nom que je propose, il est disponible. S'il si, si y a un litige, il faut qu'il aille voir un avocat. Mais ça, n'est pas parce que j'ai créé un nom. Ce sera un autre nom qui aura un problème. Bon, mais merci en tout cas pour toutes les questions parce euh, qu'on question ouais, on se rend bien compte. que on se rend bien compte que c'est pas euh, juste un nom euh, comme ça. C'est plus que ton accompagnement. Ça ne s'arrête pas qu'au nom. C'est vraiment tout ce qui entoure non. le projet euh, avec ses valeurs et sa mission. Et, euh, et donc ça, voilà, c'est un métier. Euh, donc n'hésitez pas à, à aller plus loin dans vos échanges avec Émilie, euh, sur le click and meet, hein, donc euh, si vous allez sur ouais. la, dans le hall d'exposition, dans la partie création d'entreprise, vous pourrez cliquer euh, sur le bouton "Discuter à cette table" et vous serez directement mis en relation avec Emilie pour avoir un échange. En one to one ou à plusieurs, si vous êtes plusieurs à vous connecter en même temps, c'est euh, ça sera un moment de partage. Donc n'hésitez pas à le faire. Euh, c'est une option euh, qui est euh, très intéressante et très spontanée euh, sur ce salon. Merci beaucoup Émilie et euh, bon salon et encore merci de ta présence et de, de ta fidélité. Beaucoup. À bientôt.